Il n'est pas toujours facile de parler d'amour, surtout quand il faut parler de celui-ci sur une toile de cinéma. Au cinéma, l'amour est quelque chose de complexe à mettre en forme, et comme j'ai pu l'évoquer dans des critiques plus classiques autour de films cherchant à repousser avec plus ou moins de subtilité et de cohérence cette manière de montrer deux êtres qui s'aiment, qui se chérissent et qui veulent faire un bout de chemin ensemble, rarement on trouve la bonne manière de réinventer cela. Même au-delà de la simple réinvention, hein, il y a cette manière si particulière de peindre le romantisme, de lui donner du corps, de la puissance, de l'évocation même pour le tout un chacun, en n'enfermant jamais ce rapport dans quelque chose d'unilatéral, ne cherchant qu'à toucher les hétérosexuels ou les homosexuels, ou même tous ceux qui ont un jour ressenti une forme d'amour. Et c'est là-dedans que réside l'immense complexité de la peinture du romantisme et du romanesque au cinéma, là où souvent on voit les choses de manière très linéaire, très convenue, et parfois même très fermée et simpliste. Mais en 1970, l'amour a trouvé, selon moi, l'un de ses plus beaux carcans cinématographiques. Et pourtant, on lui avait déjà donné de belles couleurs à cette époque. Mais au travers de ce romantisme pur, au travers de ce couple, sonnant comme très anecdotique mais également comme très universel par sa portée philosophique et sociale, tout autant que par la logique de l'époque de peindre le plus simplement l'amour, on sent qu'il y a une envie de créer quelque chose de réaliste et surtout d'universel. Arthur Hiller n'offre pas simplement un film romantique, comme on pourrait en compter 100 aujourd'hui. Il offre une forme de romantisme épuré, tendre, délicat, simple, sans la moindre fioriture, ajoutant simplement ce qu'il faut de famille, ce qu'il faut de dureté, ce qu'il faut d'intensité et de violence quotidienne pour donner de l'ampleur à cette aventure, pour faire de ce faux amour impossible, par le contexte social et les oppositions de conditions, le plus bel amour qui soit, celui de deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment, qui avancent ensemble et qui traversent les étapes, même quand elles sont dures. Laissons donc Jennifer et Oliver s'aimer le temps d'une histoire d'amour un petit peu plus belle que les autres. Si cette histoire marque, c'est parce qu'elle est écrite avec le cœur. Le cœur d'un auteur de roman, Eric Segal, qui n'a pas forcément beaucoup écrit pour le cinéma, mais qui a offert par le prisme de ce script, adapté d'une de ses œuvres, quelque chose de terriblement émouvant, de terriblement humain, de terriblement sincère, tout simplement, dans la lignée d'une démarche sociale, mais également sensible. Certains y verront sans doute le travail d'un auteur recherchant une forme d'amour pur, ultime, sincère et rare, entre deux êtres que le destin aurait pu choisir de ne jamais laisser se croiser. D'autres y verront un récit convenu, classique, balisé et cousu de fil blanc, qui ne fait qu'avancer de manière facile dans une direction que l'on voit tous venir, et peut-être qu'en un sens c'est clairement le cas. Mais il se cache dans ce scénario une volupté, une tendresse, une douceur dramatique et tragique qui ne peut laisser de marbre, et qui est représentée dès cette introduction par ces mots déchirants. Elle aimait Bach, Mozart et moi. Trois figures, trois oppositions, toutes liées par une seule chose, un personnage, que l'on ne connaît pas encore, mais qui déjà semble vouloir nous inviter à une fatalité que l'auteur n'aura pas le temps de nous préparer à totalement comprendre. Un script délicat, fort et d'une grande justesse. Une bonne romance a besoin d'être bien mise en relief. Arthur Hiller fait partie de ces nombreux cinéastes américains à avoir émergé dans les années 50 et qui s'est rapidement imposé comme un grand touche-à-tout, à l'image de Richard Fleischer pour ne citer que lui dans cette catégorie et dans cette période. Clairement, l'auteur américain aurait pu verser dans une forme de sensationnel et de grandiloquent, de mise en scène un peu trop fantasmée d'un romantisme moderne qui aurait rapidement donné au film une portée certes attachante, mais loin du script de Segal qui se voulait accrocher à une réalité sociale agrippant ses deux protagonistes à son époque, ses difficultés comme ses bénéfices. Hiller donne ainsi de la crédibilité à ce jeune couple, de l'intensité, de la justesse, de la beauté, mais également de la logique aussi. Une logique par rapport à ce qui doit être montré aussi cédant parfois à un puritanisme américain un peu trop soft, mais qui laisse tout de même planer une forme de romantisme et de pureté qui donne un cachet à cette aventure, à ce duo, à cette logique de mise en scène avant tout humaine et sincère. Une sincérité qui donne énormément de force au romanesque de cette histoire. Et si l'on retient ce film, c'est aussi pour ces quelques notes. Des notes qui hantent une œuvre habitée par le travail d'un compositeur de légende qui a marqué profondément le cinéma par de nombreux thèmes, dont celui-ci fait clairement partie de ses plus populaires, pour un instant musical qui accompagne avec déchirement mais également avec justesse une épopée romanesque et romantique que Francis Lai a su sublimer par son travail de composition. Dans ces quelques notes, il y a de l'amour. Dans ces quelques lignes, il y a de la passion. Dans ces quelques sons, il y a du tragique. Dans ces quelques instants de flottement, où seule la musique vit, il y a des images qui nous restent en tête.
Il y a des moments que l'on garde, comme des clichés volés à deux inconnus que l'on voudrait pourtant garder chez soi pour mieux les apprécier et mieux ressentir ce qui habite ces deux corps, ces deux esprits, que l'on imagine parfois comme opposés, mais qui par le travail musical du compositeur français se conjuguent pour mieux sonner comme indissociables l'un de l'autre. C'est magique, délicat, tendre et déchirant, un peu comme cette histoire. Deux acteurs, deux interprétations fortes, deux manières de créer de l'empathie. Deux acteurs qui se sont imposés dès la sortie comme les éléments forts d'une nouvelle génération, plus proches de la réalité, plus intenses aussi dans leurs émotions et dans leur manière de les vivre à l'écran, donnant lieu à la grande force de ce métrage, la pureté et l'intensité folle de leur jeu à chaque seconde. Ryan O'Neill est immense ici. L'acteur délivrant une prestation folle, envoûtante, touchante et attachante qui donne de la profondeur au parcours d'un homme cherchant à se renouveler, à avancer avec la femme qu'il aime, même si cela nécessite de s'éloigner de son père, qu'il voit comme un ennemi. Ally McGraw est encore plus éblouissante ici. La jeune femme donnant à Jennifer un piquant, mais également une douceur, qui fait toute la sève d'un caractère particulièrement attachant, donnant lieu à une prestation aussi envoûtante que le duo qu'elle forme avec O'Neill à l'écran. Sans eux, ce film n'existe pas. Sans leur justesse de jeu, sans leur douceur de composition, sans la finesse d'interprétation qui se dégage de leur talent réciproque, le film n'aurait pas eu l'impact qu'il a eu au fil du temps et au fil des décennies cinématographiques qui les séparent de nous aujourd'hui. Deux interprètes magnifiques pour un duo légendaire du 7e art. Lorsque j'ai découvert le film de Hiller, je m'attendais à quelque chose de très convenu. Une histoire d'amour comme il y en a mille autres, une forme de romantisme qui aurait pris pas mal de rides et qui sonnerait comme plat et comme trop daté pour réussir à pleinement m'emporter. Quelle erreur de ma part, tant le cinéaste a su me cueillir juste comme il faut, au bon moment, en sonnant comme la parfaite représentation du couple, de la difficulté qu'il y a parfois à garder les pieds sur terre, mais surtout de la plus simple apparence de celui-ci, de la beauté de cette union, dans le quotidien le plus émouvant et le plus envoûtant possible, mais également le plus fatal qui soit dans le genre. Bien plus que de simplement parler d'amour, le cinéaste américain parle de vous, de moi, de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et de ce que nous serons certainement pour ne pas juste raconter une histoire d'amour, mais raconter celle que l'on aurait aimé avoir tous, sans la fin tragique que celle-ci peut nous offrir, comme réflexion ultime que le temps passe trop vite et que parfois, même face à ce qui semble être pur, il ne fait aucune différence. Un chef-d'œuvre unique, difficile, émouvant et déchirant, qui reste clairement en tête.